Non, je crois que le déferlement de haine, il est venu d'une partie très virulente, on va dire, des islamistes en général, et que pour eux, de toute façon, il n'y a pas de dialogue possible, il n'y a que la violence pour uniquement faire taire quelqu'un qui a une voix qui ne leur correspond pas et qui ne leur plaît pas, quoi. Donc, d'autant plus, je pense que parce que j'étais une femme, évidemment, et je pense aussi parce que le cinéma, c'est comme je l'ai dit à Ouaga quand j'ai eu le prix, j'ai dit le cinéma est une arme dans nos pays, et je pense que eux, ils en ont pleinement conscience. Et en fait, ils sont parvenus à leur fin quand même parce qu'ils m'ont pas fait taire en tant que personne, mais ils ont réussi à faire que mon film, mes films, ne soient plus diffusés en Tunisie et Sur que quel Dailymotion, Jean-Romain. sur Dailymotion, parce que moi je l'ai mis sur Dailymotion, sauf que les journalistes ne relayant pas l'info que le film est disponible sur Dailymotion, il y a très peu de gens qui sont au courant et très peu de gens vont le voir sur Dailymotion. Moi, j'arrive pas à comprendre. Moi, j'ai pas compris, moi, pourquoi. Alors qu'au départ, la laïcité, c'est quand même quelque chose de très bien. Et je me demandais si je me c'était pas plutôt une incompréhension ou un. Non, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont saisi le prétexte, et je pense que c'est pour ça que les progressistes m'en ont voulu. C'est parce qu'au début, le film s'appelait Ni Allah ni Maître, et ils ont saisi le prétexte de soi-disant que j'insultais l'islam et les musulmans. Et donc, ils n'ont pas regardé le film, et ils ont imposé le fait qu'on ne regarde pas le film. Mais justement, parce qu'ils savaient très bien que dans le film était posé le débat de la place de la religion. Et le mot laïcité, pour eux, c'est très facile de s'en servir parce que depuis des années, ils travaillent au fait qu'on associe le mot laïcité à l'athéisme et que forcément, comme ce sont des gens de gauche, donc des marxistes qui parlent de laïcité, c'est forcément des gens qui sont anti-religieux et qui veulent enlever l'identité musulmane de la Tunisie. Donc là-dessus, ils ont trouvé un terrain très favorable dans la population ou à coup de contre-vérités, de mensonges, etc. Et surtout de C'est-à-dire. violence, parce que en fait, ils ont fini par reprendre ce que font tous les dictateurs, c'est-à-dire qu'ils terrorisent le peuple uniquement par des actes de violence qui font qu'après, on n'a même plus besoin d'utiliser la violence. Les gens, de toute façon, s'autocensurent parce qu'ils ont peur de ce qui pourrait arriver en réaction. Donc, du coup, on Une ne forme parle plus d'information aussi. de. Oui, absolument. Je sais pas, hein, ça c'est une question qu'on pose souvent, mais moi j'ai pas du tout l'impression d'être forte plus que d'autres. C'est juste que je supporte pas l'injustice, que c'est quelque chose qui me révolte et quand je suis révolté, C'est je le juste fais en fait. savoir. Ouais. Oui, je suis pour la rébellion et pour le faire savoir et je vais pas me taire, c'est tout. Peut-être que c'est une raison de vivre. Hein. Non, non. Moi, les seules limites que j'ai, c'est les limites que j'ai dans ma vie personnelle. À savoir que, contrairement à ce que disent les islamistes, j'ai une morale. Bien Et sûr. ma morale, c'est de ne pas porter atteinte aux autres, physiquement d'abord, de ne pas les insulter, voilà, d'être respectueuse de la pensée des autres, d'être capable de dialoguer avec tout le monde et de ne pas utiliser des moyens, voilà, tels que le mensonge. Tout n'est pas bon pour arriver à ses fins, pour moi. Alors que visiblement, pour les islamistes, tous les moyens sont bons pour arriver à leurs fins. Moi, je suis quelqu'un d'anti-violent, d'humaniste, d'antiraciste, Votre combat, etc. il m'a fait un peu penser quand même à Martin Luther King. On ne peut pas s'empêcher de faire le rapprochement quand même, faire évoluer les mentalités comme ça. Oui, moi j'aime. Enfin, oui, on n'est pas dans la même catégorie parce que lui c'était plus un homme politique. Hein, moi je suis plus une cinéaste politique. On m'a proposé un bon nombre de fois de m'engager dans des partis ou des associations, mais c'est pas du tout mon but. Hein, j'ai pas du tout l'intention de me faire élire un jour à quoi que ce soit. Et puis surtout, j'ai pas du tout l'intention de me faire récupérer par qui que ce soit. Et je pense que c'est aussi ça que je paye parfois.
dans ma liberté de cinéaste de jamais vouloir faire de compromis avec personne, ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup aussi de producteurs, par exemple, qui veulent pas me produire parce que quand on est incontrôlable pour tout, hein. Bah, il y a une évolution parce que forcément la Constitution est prête et que elle a été adoptée et que par la suite. Non, mais j'avais plus pensé dans la rue. Mais ça, j'ai du mal à le sentir parce que moi, j'ai des nouvelles que par les autres. Ça fait 3 ans que j'ai pas mis les pieds en Tunisie. Ce que je sais, c'est que il y a une volonté du pouvoir aujourd'hui de s'orienter un peu plus vers la modernité et de faire comprendre que la page des islamistes était tournée. Maintenant, il va y avoir d'autres élections et celles-là, on ne sait pas du tout comment elles vont se passer. On espère qu'il n'y aura pas d'irrégularité au niveau des votes, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais je sais que ma société est profondément conservatrice. Je me fais pas d'illusions là-dessus. Maintenant, l'islamisme, c'est pire que le conservatisme. C'est le conservatisme doublé de l'obscurantisme et de la violence et voilà, et même du terrorisme, même si c'est pas avec des bombes. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même eu trois même assassinats politiques durant, on va dire, le règne islamiste en Tunisie. C'est un film que Caroline Forest m'a demandé de co-réaliser avec elle l'année dernière pour France 2, pour Infrarouge. Mmh. Et donc oui, on a fait un film qui s'appelle Nos Seins, Nos Armes, un documentaire pour la télé, donc qui est passé déjà à la télévision en mars 2013. Hein. D'accord. Donc c'est un film qui va dans quelques festivals quand même, parce qu'il a un format long pour la télé. Hein. C'est un film de 72 minutes, je crois, ou un truc comme ça. Et voilà, c'est un film engagé aussi sur les femmes, mais pas seulement, sur aussi le féminisme. Ouais, voilà, un peu, bon, mais à travers effectivement le mouvement féminin, comment elles ont réveillé un petit peu les moyens de lutte, on va dire, des femmes à travers le monde. C'est-à-dire que ce qu'on peut dire, c'est que dans ces pays-là, c'est sûr que l'enjeu, ça je l'ai souvent dit, c'est le corps des femmes. Et forcément, vu les progrès actuels à travers le monde, les femmes sont en train de plus en plus d'essayer de s'émanciper, alors avec plus ou moins de force et selon les pays, mais on voit bien que même dans les démocraties qu'on dit grandes, y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc vous pouvez imaginer dans des pays comme les pays musulmans. Moi je pense notamment aux Saoudiennes qui continuent depuis 15 ans et plus à se battre pour pouvoir conduire. Donc voilà où on en est dans les degrés de demande de liberté. Voilà, donc aujourd'hui voilà, Malala nous a montré l'exemple de la volonté d'aller s'éduquer, ce que ça pouvait coûter à une femme, quoi, donc, ou à une jeune fille. Et aujourd'hui évidemment c'est dans ces pays-là qu'il y a le plus de progrès à faire. Donc je pense que c'est dans ces pays-là qu'on va encore plus voir la lutte des femmes. Mais je pense que la lutte des femmes, pour moi, je l'ai souvent dit avec le mouvement féminin, pour moi c'est la nouvelle internationale. C'est-à-dire que aujourd'hui il va y avoir une internationale féministe, ça j'en suis sûre et certaine, parce qu'on ne peut pas continuer à opprimer la moitié du monde quand même, c'est pas normal. Et il ne peut pas y avoir de progrès dans aucune société si la moitié de la population est opprimée. Donc effectivement, ça va être une lutte, voilà, et par là vont découler plein d'autres acquis au niveau des droits.
Je travaille sur deux documentaires, un sur, mais vraiment au niveau de l'élaboration pour l'instant, hein. Un qui serait plus film expérimental sur l'exil, l'idée de l'exil, parce que je suis à moitié installé dans le sud de l'Italie, là, et à côté d'un village où a vécu Ortega, donc je travaille là-dessus. Et je travaille aussi sur comment les gens voient le divin. Pour moi, c'est un film sur l'athéisme, mais à travers la question de comment on se représente le divin, avec cette idée que Dieu a toujours une barbe, etc. C'est Enfin, vrai. est-ce qu'il est blond, est-ce qu'il est brun? Jésus, pourquoi un coup il est noir, un coup il est blond aux yeux C'est sur bleus? un homme déjà, pour pas être Voilà, femme. etc. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là. Et puis j'ai deux fictions, l'une qui est achevée au niveau de l'écriture et Quel projet en parallèle? Oui, mais ça c'est aussi le privilège de l'âge, hein, c'est qu'au bout d'un certain temps, il y a des projets qui s'accumulent, et puis on travaille un peu celui-là, un peu celui-là, celui-là se fait, hop, il y en a un autre, puis il y a des idées qui viennent, hein. Les deux documentaires sur lesquels je travaille aujourd'hui, ils sont plus au niveau de l'élaboration, hein. En revanche, les deux projets de fiction, il y en a un qui est complètement achevé, qui est pour le cinéma que j'attends de faire, et il y en a un qui pourrait être pour la télévision française, parce que c'est un thriller politique. Qui se passerait à Paris, et ce serait une première pour moi de faire un truc entièrement à Paris. Je pense que c'est là où on trouve effectivement tout le vivier du renouvellement du langage cinématographique, hein. C'est des cinématographies importantes à travers le monde. On voit bien qu'à chaque fois qu'il est arrivé une nouvelle forme de langage cinématographique, c'est toujours venu du cinéma indépendant. Évidemment, ça ne peut pas venir du cinéma commercial, puisqu'il faut formater les choses. Maintenant, il y a beaucoup de cinéastes qui viennent du cinéma indépendant, qui ont acquis une certaine notoriété et qui finissent dans le cinéma commercial. Mais c'est Qui pas non perdent pas plus. leur liberté aussi, Pas forcément. Je non? pense que des fois, la notoriété, ça peut permettre de faire ce qu'on veut, même au sein du cinéma commercial, hein. Bien sûr, en tant que cinéaste, on rêve tous d'avoir les moyens de faire un film. Et parfois, je me dis, c'est bien aussi d'avoir pas les moyens, parce que du coup, ça nous permet de faire ce qu'on Ça veut, d'une autre force la créativité façon. aussi, non? Maintenant, ça dépend ce qu'on cherche dans la vie. Si on cherche la sécurité, pouvoir refaire des choses facilement, etc., c'est sûr que c'est pas le meilleur chemin. Non, mais je trouve aussi que la créativité vient du manque de moyens. Parce que quand on en a trop, Pas on se forcément. perd. Parce que des fois, enfin, il y a tout et son Ouais, contraire dans tout, hein, voilà. Moi, c'est un choix de vie aussi, hein, de la sécurité. C'est pas quelque chose qui me rassure. non, moi non plus. Voilà. Au contraire. Voilà. Donc Ça laisse un après, peu libre quand même. moi j'aime. Enfin, je suis un peu ouverte à tout, hein. Il y a des choses que j'adore dans tout ce qu'on appelle indépendant. Je pense notamment au cinéma américain ou même au sein des grands studios. On voit quand même des merveilles. Donc, on va pas cracher dessus parce que ça a été produit par des grands studios. Non, bien sûr. Merci Nadia, merci beaucoup.